Bonjour à tous, c'est Raphaël pour lausanne.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit programme qui s'appelle Total Finder, qui en fait va customiser votre Finder sous macOS. Parce qu'à la base, votre Finder, il n'a pas vraiment beaucoup d'options, on ne peut pas faire grand-chose avec. Surtout si on veut passer des fichiers sur notre dossier ou encore notre dossier, généralement, on doit ouvrir plusieurs Finder. Alors, Total Finder, en fait, va nous permettre, comme sous Firefox ou Safari, d'ouvrir différents petits onglets. Alors, une fois installé, moi j'ai déjà installé, vous verrez déjà votre icône, il aura changé avec un petit onglet. Alors, on va cliquer sur Finder qui va nous l'ouvrir. Voilà. Alors, tout bête, hein, vous cliquez, vous ouvrez des nouveaux onglets. Vous allez dans les dossiers que vous voulez. Vous pouvez naviguer dessus. Après, un truc super sympa que j'aime bien. Vous êtes sur cette fenêtre et vous faites un double clic et elle va fusionner avec la fenêtre d'à côté. Ce qui fait que si vous voulez... Oh, ça dépend. On va changer de vue. Vous voulez glisser ça là, vous glissez, ainsi de suite. C'est vraiment sympa. Vous faites un double clic, ça redevient normal. Vous voulez plutôt prendre cette fenêtre avec document, pareil, double clic et elle fusionne avec. Voilà, ça je trouve vraiment assez sympa comme petit utilitaire. Après, lors de l'installation, il vous met ici un petit dossier. Donc, vous pouvez aller sur les préférences. Soit vous passez par là. Si je me trompe pas, je pense que vous pouvez décocher un petit icône pour faire disparaître le petit folder là-haut. Si vous le faites disparaître, en fait, c'est très simple pour retourner dans les options Total Finder. Vous allez dans Finder. Préférences, et là tout à droite, il y a une petite flèche. Vous cliquez dessus et vous voyez votre Total Finder. On clique dessus, vous avez les options. Je recommence, hop, voilà. Alors, vous avez la fonction Visor, en fait, avec une combinaison de touches. Ça va vous permettre de vous faire apparaître le Finder depuis le bas. Je vous montre, bon, déjà au moment où vous l'activez, vous voyez que la fenêtre elle arrive. Si je fais la combinaison de touches qu'il y a ici, voilà, hop, elle disparaît vers le bas, ça revient vers le haut. Je peux avoir mon Finder ici et en utiliser un autre là. Enfin voilà. Après, je sais pas trop à quoi ça peut aider les gens. Bon, c'est vrai que c'est un raccourci pour pas aller cliquer peut-être là-haut puis avoir un différent Finder. Enfin voilà. Après, c'est selon les goûts. Alors, ma fenêtre de préférence, voilà. Vous avez différentes options. À vous de voir, à vous les tester. Moi, j'ai pas trop navigué, amusé à tester ces options. Déjà, les options de base me conviennent très bien. Ah ouais, encore un petit truc que je voulais vous montrer, aussi assez sympathique. Vous êtes sur l'onglet. Vous voulez, avec cet onglet, créer une autre fenêtre Finder. Hop, vous l'enlevez et voilà. Vous avez deux fenêtres Finder et si vous voulez le remettre à sa place, hop, vous arrivez dessus, relâchez et voilà. C'est tout bête, c'est tout simple. Alors, je trouve ça vraiment très pratique. Perso, au bout de mes 14 jours d'essai, je vais le garder parce que je vais l'acheter parce qu'il me plaît bien. Alors, sous l'article, je vous mettrai le lien directement pour télécharger Total Finder. Et puis n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur lausanne.com, même si pour le moment il n'y en a pas encore beaucoup. Alors je vous dis à très bientôt sur lausanne.com. Bye bye!